Je m'appelle Saul Indian Horse. Je suis le fils de Mary Mondamin et de John Indian Horse. Mon grand-père s'appelait Solomon et mon prénom est le diminutif du sien. Ma famille est issue du clan des poissons des Ojibwe du Nord, les Anishinabe, c'est ainsi que nous nous désignons. Nous avons élu domicile sur les territoires bordant la rivière Winnipeg, là où elle s'élargit avant d'entrer dans le Manitoba et après avoir quitté les lacs des bois et les crêtes accidentées du nord de l'Ontario. On dit que nos pommettes ont été taillées dans ces chaînes granitiques qui s'élèvent au-dessus de notre patrie. On dit que le brun profond de nos yeux a suinté de la terre féconde autour des lacs et des marécages. Les anciens disent que nos longs cheveux raides viennent des herbes ondulantes qui tapissent les rives des baies. Nos pieds et nos mains sont larges, plats et forts comme les pattes d'un ours. Nos ancêtres ont appris à se déplacer sans peine à travers les territoires comme le zone à gauche, l'homme blanc, a plus tard redouté, sollicitant notre aide pour les parcourir. Notre parole s'écoule et se déverse dans les rivières qui nous servent de route. Nos légendes rapportent comment nous avons émergé des entrailles de notre mère terre. Aki est le nom que nous lui attribuons. Nous avons surgi, sans imperfection, les battements du cœur d'Aki dans nos oreilles, prêts à devenir ses gardiens et ses protecteurs. Quand je suis née, notre peuple parlait encore ainsi. Nous étions encore sous l'influence de nos légendes derrière nous. C'est une frontière que ma génération a franchie, et nous languissons d'un retour qui n'a jamais pu se produire. Les gens ici veulent que je raconte mon histoire. Ils disent que je ne peux comprendre où je vais si je ne comprends pas où j'étais avant. D'après eux, les réponses sont en moi. En racontant nos histoires, nous, buveurs invétérés de mon espèce, nous pouvons nous libérer de la bouteille et de la vie qui nous a menés là. J'en ai rien à foutre de tout ça. Mais si ça veut dire sortir plus vite d'ici, alors je vais la raconter, mon histoire. Alors, ce roman, c'est « Jeux blancs » de Richard Wagamès. Wagamessé, je ne sais pas trop comment on prononce. C'est un auteur contemporain canadien qui est décédé en 2017, je crois. C'est l'un des principaux écrivains canadiens d'origine indigène et il a écrit quelques romans basés sur sa propre histoire. En France, il y a celui-ci qui est paru, Jeux blancs, et également un autre roman, Les étoiles s'éteignent à l'aube, qui est très très beau et que je recommande. Alors, dans Jeux blancs, on est donc au Canada, on est dans les années 70. Et on suit Saul, qui a 33 ans et qui sort d'un centre de désintoxication pour indigènes canadiens. Il est déterminé à vivre et à penser autrement que par l'alcool, les blessures d'une enfance qui a été complètement saccagée, mais pour cela, ses thérapeutes lui ont conseillé de raconter son histoire. Donc Saul est issu du peuple indien Ojibwe. Il a vécu la première partie de son enfance selon les modes de vie de ses ancêtres, avec ses parents, son frère, sa grand-mère qui était la gardienne des traditions de son peuple. Il a vécu donc dans son enfance un mode de vie rude, en contact avec la nature et les éléments, guidé par la sagesse et les esprits des ancêtres, comme le lui enseignait sa grand-mère. Et c'est absolument passionnant de suivre cette enfance dans la nature canadienne. Mais les parents de Saul vont être convertis au christianisme et vont y adhérer. Ils vont refuser ce mode de vie ancestral et ses croyances. Et après un drame familial, ils vont abandonner Saul et sa grand-mère en pleine nature au tout début de l'hiver. Alors au prix de sa vie, sa grand-mère va parvenir à sauver son petit-fils. Et Saul sera recueilli dans un des internats pour enfants autochtones où les enfants sont humiliés, brisés, dans le but de leur enlever toute trace de leur sang indien. C'est très rude, c'est choquant, c'est plutôt effarant. On a beaucoup entendu parler de ça dans l'actualité assez récente, il y a quelques années, il y a eu beaucoup de procès au Canada, beaucoup d'excuses aussi. Beaucoup d'enfants meurent dans ces établissements sous les mauvais traitements ou préférant se tuer, et Saul raconte tout ça. C'est difficile et en même temps c'est nécessaire. Alors un prêtre plus sympathique d'apparence que les autres va apporter sa passion à l'internat, le hockey sur glace. Et ce sport va passionner Saul, qui s'avérera être très doué en hockey
et visiblement doté d'un don d'anticipation en plus de sa force et de son endurance. Et c'est la pratique du hockey qui sera le refuge de Saul et qui va le sauver. Saul deviendra un des meilleurs joueurs de son pays, mais on va suivre de quelle manière le racisme envers les Indiens dans le Canada des années 70, ainsi que les plaies de son enfance qui sont complètement enfouies et qui n'ont jamais été soignées, vont à nouveau le rudoyer dans sa vie d'adulte. Alors c'est une histoire bouleversante, mais écrite tout simplement, sans aucun pathos. C'est un roman difficile à lâcher, très instructif, qui met en avant un personnage brisé en voie permanente de résilience. Comme toujours avec Richard Wagamessé, l'écriture est fluide, c'est puissant, c'est très immersif, enrichi de beaucoup de références à la nature, à la culture indienne de l'auteur, une culture qu'il transmet avec tendresse et passion. C'est un roman que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et qui, je pense, va être au top 10 de mes meilleures lectures de cette année 2021. Voilà, à bientôt!